qui sont les meilleurs amis de la Turquie et qui sont aussi ses pires ennemis. Dans cette vidéo, j'ai décidé de parler des alliés, mais aussi des ennemis, afin que la vidéo soit plus variée, et surtout pour parler des pays dont les relations sont les plus intéressantes à travers l'histoire. Vous me direz si vous préférez dans ce format, ou dans le précédent. Bref, je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, et pour les nouveaux, à vous abonner. Merci d'avance. Bon, si on résume un peu l'histoire de la Turquie, c'est une république laïque depuis 1923. Avant cette date, c'était un sultanat islamique. Pendant la Première Guerre mondiale, la Turquie a perdu beaucoup de territoire, et elle a été occupée par les forces victorieuses afin de redevenir indépendante. Bref, la Turquie était un immense empire, qu'on appelait l'Empire Ottoman, et où vivaient de nombreux peuples, dont les Turcs, qui étaient l'ethnie dominante. On est donc passé d'un empire multiculturel, qui se basait sur l'islam, comme point commun, entre les peuples, à une république basée sur un sentiment national. Aujourd'hui, la Turquie se cherche. Elle veut à la fois être un symbole de l'islam, comme à l'époque de l'Empire Ottoman, où c'était un califat, elle veut à la fois se tourner vers le monde turc, en tant que principal état de culture turque, et elle veut aussi se tourner vers l'Occident. Bref, elle veut bien montrer qu'elle est située pratiquement au carrefour entre différentes civilisations, et c'est ce qu'on va voir. Commençons notre tour des pays par les pays de langue turque. On compte 7 états, dont 6 membres de l'ONU, à avoir une langue turque comme langue officielle et nationale. La Turquie est bien évidemment le principal d'entre eux. À elle seule, elle compte la majorité du PIB et la majorité de la population de tous ces pays réunis. Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan fait partie des 5 nouveaux pays turcs devenus indépendants de l'Union soviétique en 1991. Avant cette date, la Turquie était pratiquement le seul pays turc indépendant, si on ne compte pas Chypre du Nord. Culturellement, l'Azerbaïdjan est le pays le plus proche. En Turquie, la langue nationale est le turc anatolien, en Azerbaïdjan, c'est le turc caucasien. Ces deux langues sont très similaires et intercompréhensibles. D'ailleurs, elles ont la même histoire. Ce sont des langues qui sont apparues quand les peuples turcs originaires d'Asie centrale sont partis peupler ces territoires. La citation la plus marquante vis-à-vis de ces deux pays est la suivante : deux États, une seule nation. Après, il y a aussi des divergences, la Turquie ayant une vision panturquiste, où elle est au centre, l'Azerbaïdjan étant aussi un pays tourné vers la Russie. Kazakhstan. Le Kazakhstan fait partie des 5 nouveaux pays turcs devenus indépendants de l'Union soviétique en 1991. Parmi ces 5 pays turcs, le Kazakhstan est de loin le plus riche. C'est le plus puissant économiquement et celui avec le meilleur niveau de vie. Culturellement, c'est aussi celui qui est le moins turc, puisqu'au Kazakhstan, environ un tiers de la population est d'origine russe. La langue russe, en tant que langue de l'élite, est la langue la plus parlée du pays, le kazakh étant une langue nationale. Bon, à part ça, d'un point de vue diplomatique, la Turquie n'hésite pas à mettre en avant le côté turc entre les deux pays, mais d'un point de vue économique, c'est encore assez faible. Les échanges entre les deux pays ne sont pas encore extrêmement développés, mais ils pourront s'accentuer avec le temps. Ouzbékistan. L'Ouzbékistan fait partie des 5 nouveaux pays turcs devenus indépendants de l'Union soviétique en 1991. Parmi ces pays turcs, l'Ouzbékistan est le plus peuplé. C'est donc le deuxième pays turc au monde pour la population, loin derrière la Turquie. L'Ouzbékistan est resté cependant assez méfiant vis-à-vis de la politique diplomatique de la Turquie en Asie centrale. Par exemple, il n'a pas rejoint le Conseil turcique en 2009, à sa création, mais l'a rejoint en 2018 seulement. Et oui, n'oublions pas, mais la Turquie peut être vue comme un pays paternaliste dans la région, un pays qui voit ses nouvelles républiques comme des petites sœurs qu'elle peut facilement influencer. Et puis il ne faut pas oublier que les républiques d'Asie centrale sont bien plus sécularisées que la Turquie, bien que la Turquie soit un pays laïque aussi. Elles peuvent être prudentes vis-à-vis de l'idée pan-islamique qui ressort de la puissance anatolienne. Kirghizistan. Le Kirghizistan fait partie des 5 nouveaux pays turcs devenus indépendants de l'Union soviétique en 1991. C'est le moins peuplé et le plus pauvre des pays turcs. C'est aussi le plus instable et le plus influençable. La Turquie cherche donc à devenir un acteur majeur dans la stabilité régionale. Turkménistan. Le Turkménistan fait partie des 5 nouveaux pays turcs devenus indépendants de l'Union soviétique en 1991. C'est le 5e et dernier que je cite du coup. Le Turkménistan n'a pas intégré le Conseil turcique, c'est pratiquement le seul pays turc à ne pas l'avoir intégré. Le pays est encore sous l'influence russe. Chypre du Nord. La République turque de Chypre du Nord est devenue indépendante de la Turquie en 1983 et fait suite à l'annexion turque d'une partie de l'île de Chypre en 1974. Ce pays est indépendant de la République de Chypre, dans les faits, mais aucun pays membre de l'ONU ne reconnaît cette situation, si ce n'est la Turquie. Chypre du Nord peut être vu comme un état complètement dépendant de la Turquie. Cet état a été créé suite aux crises qui survenaient entre les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs, et notamment la menace que la Grèce annexe Chypre dans les années 70. Bref, on a fait un petit tour des pays turcs, maintenant on peut aller faire un petit tour vers le monde occidental ou chrétien.
Grèce. La Grèce a été une grande rivale de la Turquie. En 1453 a lieu le siège de Constantinople, entre le sultanat ottoman et l'Empire romain d'Orient. Le sultanat ottoman étant l'ancêtre de l'actuelle Turquie, et l'Empire romain d'Orient étant l'empire où vivaient les Grecs. On l'appelle aussi l'Empire byzantin ou l'Empire grec. Du coup, le monde grec a été annexé petit à petit par la Turquie. Il a fallu attendre 1830 pour qu'un début d'État grec indépendant voie le jour, et ce suite à une guerre entre les indépendantistes grecs et les armées ottomanes. La Grèce est donc née en luttant contre la Turquie. D'autres guerres auront lieu par la suite, notamment pendant la Première Guerre mondiale, et qui permettront à la Grèce de récupérer toutes les îles au large de l'Anatolie. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grèce et la Turquie se tournent vers les États-Unis et rejoignent en même temps l'OTAN. Ils deviennent donc alliés militaires malgré eux. Mais les tensions continueront, notamment avec le cas de l'île de Chypre, île indépendante peuplée par des Grecs et des Turcs, que la Grèce voulait pour récupérer dans l'idée de l'énosis, soit le fait d'unir sous un même pays tous les territoires grecs. En 1974, la Turquie envahit le nord de l'île, peuplée par les Turcs, et en fera un État indépendant. Du coup, on peut dire qu'il y a une sorte de petite guerre froide entre les deux. Les deux États sont alliés et cherchent à s'entraider quand ils peuvent, ils sont quand même tous les deux membres de l'OTAN. Chypre. Qui dit Grèce dit Chypre. Chypre est une république grecque instaurée sur l'île de Chypre. La relation avec la Turquie ne peut qu'être mauvaise puisque la Turquie a annexé un de ses territoires en 1974. Aujourd'hui, Chypre considère toujours que Chypre du Nord lui appartient, même si dans les faits, elle n'a plus aucun contrôle dessus. Les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis les événements des années 70. Arménie. Encore un autre pays rival, les Arméniens, comme les Grecs, faisaient partie des principaux peuples chrétiens en Turquie. Pendant la Première Guerre mondiale, des déportations et des massacres ont eu lieu parmi les populations arméniennes. En 1965, l'Uruguay fut le premier pays à considérer ces massacres comme un génocide, appelé génocide arménien. Dans les années 80, d'autres pays ont suivi. Et depuis les années 2000, encore plus de pays ont commencé à reconnaître le génocide. En 1965, des manifestations ont eu lieu en Arménie, qui à l'époque appartenait à l'Union soviétique. Un monument fut construit en 1967. Bon, après, il n'y a pas que ça comme problème. Il y a le problème du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est un État indépendant autoproclamé et reconnu par aucun pays membre de l'ONU. Il occupe le territoire de l'Azerbaïdjan et est peuplé par des Arméniens. Même si la Turquie n'est pas vraiment concernée par le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, elle reste tout de même alliée de l'Azerbaïdjan. Géorgie. La Géorgie est un peu coincée, du coup la Turquie est son partenaire économique principal, surtout que la Géorgie est un peu en froid avec la Russie. La Russie est aussi le seul qui relie l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui est allié à l'Azerbaïdjan et la Turquie, bien sûr. Car sinon les deux autres pays sont l'Arménie et l'Iran, et eux, ils ne sont pas amicaux avec les Turcs. Bulgarie. La Bulgarie est un ancien territoire turc. Les Bulgares, qui sont un peuple de langue slave, sont même considérés comme des descendants de populations turques. Contrairement aux Turcs de Turquie d'ailleurs. Bref, actuellement en Bulgarie vivent des Slaves, mais aussi une minorité de Turcs. Et quand je parle de Turcs en Bulgarie, ce sont des descendants de Turcs anatoliens de l'époque de l'Empire ottoman. Les Turcs sont donc une minorité un peu imprimée en Bulgarie, ce qui ne plaît pas à la Turquie qui se doit de défendre les minorités turques dans le monde. Mais la Bulgarie essaie d'entretenir de bonnes relations avec sa grande voisine, la Turquie, notamment en jouant sur les aspects culturels entre sa minorité turque et les Turcs anatoliens. La Bulgarie n'a pas voulu reconnaître le génocide arménien. Bosnie. La Bosnie est un des pays d'Europe majoritairement musulmans, et si les musulmans, c'est dû à la Turquie à l'époque ottomane. La Bosnie est donc le pays slave le plus proche de la Turquie culturellement, en partageant cet islam commun. France. La France est une des grandes responsables de la dissolution de l'Empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale, elle a annexé certains territoires arabes et occupé une partie de ce qui restait de la Turquie. Et ce, avec le Royaume-Uni dans le cadre des accords de Sykes-Picot et le traité de Sèvres. Aujourd'hui, les relations entre la Turquie et la France ne sont pas des meilleures. La France est notamment contre l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, et elle a aussi reconnu le génocide arménien. De plus, la France soutient les rebelles kurdes qui vivent dans l'est de la Turquie. Mais la France est aussi un pays d'immigration turque, puisqu'on y trouve la deuxième plus grande diaspora turque au monde. Quand je parle de diaspora, c'est de citoyens disposant de la nationalité turque, et ce juste derrière l'Allemagne. En fait, l'immigration turque vers la France a débuté dans les années 70, quand l'Allemagne a arrêté sa politique migratoire. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est peut-être le pays qui a eu la relation la plus ambiguë avec la Turquie au cours du 19e siècle. Le Royaume-Uni a tout fait pour empêcher la Russie de faire chuter l'Empire ottoman à cette époque, mais en même temps elle en a profité pour lui annexer Chypre, qui est devenu un problème plus tard, puis pour annexer des territoires arabes et occuper l'Anatolie. Le Royaume-Uni est donc responsable de la chute de la dynastie ottomane, mais il s'est ensuite ouvert aux républicains. Le Royaume-Uni et la Turquie s'entendent plutôt bien aujourd'hui malgré le problème de Chypre, le Royaume-Uni étant un défenseur de l'unification chypriote. Pour ce qui est de l'Union Européenne, le Royaume-Uni n'est pas contre l'entrée de la Turquie, bien que lui-même désire en sortir actuellement.
Allemagne. Après l'unification allemande en 1871, la jeune Allemagne devait se trouver de nouveaux alliés pour être une grande nation sur le plan diplomatique. L'Allemagne s'est donc tournée vers la Turquie, qui à l'époque était un pays en perte de vitesse qu'il fallait moderniser. L'Allemagne a soutenu l'armée ottomane et lui a envoyé des techniciens. Pendant la Première Guerre mondiale, les deux pays ont été alliés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie a fait le choix de rester neutre, il y avait un traité d'amitié entre les deux pays depuis 1924. La Turquie avait cependant une certaine sympathie pour l'Allemagne quand elle a commencé à attaquer la Russie. La Turquie a cependant intégré le camp des Américains et Soviétiques juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, l'Allemagne et la Turquie sont restées proches. L'Allemagne de l'Ouest lance l'accord de recrutement des travailleurs de Turquie en 1961, ce qui permet à de nombreux ouvriers turcs de venir en Allemagne. Aujourd'hui, on y trouve la plus grande diaspora turque, car les ouvriers ont fait venir leur famille et ont préféré s'intégrer à la vie allemande. De manière générale, on peut dire que l'Allemagne est le pays avec qui la Turquie a le plus de relations fortes dans le monde occidental. Cependant, l'Allemagne a toujours été ambiguë vis-à-vis de l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne, parfois étant favorable, parfois étant contre, parfois voulant plutôt créer un partenariat privilégié. En 2016, l'Allemagne a même reconnu le génocide arménien, ce qui a créé des tensions diplomatiques entre les deux pays. Depuis, il y a eu d'autres crises diplomatiques, les relations ne sont pas au plus fort. Russie. Voilà la grande ennemie de toujours de la Turquie. On compte une dizaine de guerres appelées guerres russo-turques dans l'histoire. Tout en sachant que la Russie et la Turquie se sont fait la guerre pendant la Première Guerre mondiale et étaient en rivalité pendant la Seconde. La Russie a annexé des territoires à la Turquie sur la mer Noire, mais n'a jamais réussi à faire tomber le pays pour récupérer le détroit de Bosphore. Le désir grandissant de faire tomber la Turquie fait peur au Royaume-Uni au 19e siècle. En 1923, le régime ottoman tombe et laisse place à la République. En 1917, c'est pareil pour la Russie où le régime tsaritse tombe pour laisser place à la République puis aux bolcheviks. Malgré ces changements de régime, la Russie soviétique et la République de Turquie vont continuer à être ennemis. La Russie a toujours soutenu les nations européennes à devenir indépendantes de l'Empire ottoman, que ce soit la Grèce, l'Albanie, la Roumanie ou les pays slaves. Pendant la guerre froide, la Turquie se tourne vers les États-Unis et intègre l'OTAN. La Turquie devient un des rares pays de l'OTAN à avoir une frontière commune avec l'Union soviétique. Juste avant la crise des missiles à Cuba, des missiles américains pointant l'Union soviétique avaient été placés en Turquie, non loin de la frontière. Après cette crise, les relations qui étaient faibles n'ont fait qu'augmenter et à la chute de l'Union soviétique, elles se sont encore plus renforcées. Mais dans les années 2010, ces tensions sont revenues. La Turquie soutient l'Ukraine quand elle se fait annexer la Crimée. En 2015, une crise a eu lieu entre les deux pays. La Turquie a abattu un avion de chasse russe pendant la guerre en Syrie. Mais à partir de 2016, et le froid qu'il y a entre la Turquie et les autres pays membres de l'OTAN, la Turquie a été amenée à se rapprocher de la Russie. États-Unis. Les États-Unis sont à l'origine de l'OTAN, l'organisation du traité nord-atlantique dont la Turquie est membre. Les deux pays sont donc alliés sur le plan militaire, on trouve des bases militaires américaines sur le territoire turc et des bases de l'OTAN. Après, il est clair que la Turquie est un pays assez particulier au sein de l'OTAN et c'est peut-être même le pays le plus indépendant de cette alliance militaire. Après l'invasion turque de Chypre, les États-Unis ont imposé un embargo sur les armes à la Turquie. C'est donc une situation assez inédite pour un pays membre de l'OTAN. En 2007, les États-Unis ont reconnu le génocide arménien. Plus récemment, pendant la guerre en Syrie, la Turquie s'est souvent retrouvée à faire des choix seuls, s'écartant de l'alliance pro-américaine. Bon, maintenant qu'on a vu les relations avec l'Occident, on peut se tourner vers les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Algérie. L'Algérie fut turque pendant des années. L'Algérie compte une communauté de personnes d'origine turque, mais la plupart parlent l'arabe maintenant. C'est le premier partenaire commercial de la Turquie en Afrique. Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a récupéré le Hedjaz, qui est la région où se trouvent la Mecque et Médine, deux villes saintes de l'islam. Avant cela, elles appartenaient à la Turquie avec Jérusalem. La Turquie a donc été de nombreuses années le pays accueillant la ville du pèlerinage. Par cette occasion, l'Empire ottoman se considérait comme le pays musulman par excellence. Depuis quelques années, l'Arabie Saoudite est dans une période de destruction des vestiges historiques. Le but de ce pays est de supprimer tout ce qui serait à l'encontre de la doctrine wahhabite. En 2002, l'État a par exemple détruit la forteresse d'Ayad, une citadelle construite par les Turcs à l'époque de l'Empire ottoman. À la place de l'ancienne forteresse, un complexe hôtelier a été construit. Le gouvernement turc a condamné cette destruction et considéré que la forteresse faisait partie du patrimoine historique. Israël. Israël et la Turquie ont entretenu de plutôt bonnes relations par rapport aux autres pays musulmans. La Palestine appartenait à la Turquie avant la Première Guerre mondiale, elle a été récupérée par le Royaume-Uni, qui en a permis la création par la suite de l'État hébreu. Aujourd'hui, Jérusalem est entièrement contrôlée par Israël. Elle est une ville sainte pour les juifs, chrétiens et musulmans. En 2010, tout a été bouleversé cependant. Israël a attaqué un bateau humanitaire et tué des Turcs présents à bord. La Turquie a rompu ses relations et demandé des dédommagements et excuses. Israël a obéi après 3 ans de négociations.
Plus récemment, Erdogan a mis en place un discours anti-sioniste et a accusé Israël d'état raciste. Bref, aujourd'hui, la Turquie peut être vue comme un des pays les plus critiques d'Israël, tout en ayant des relations diplomatiques et des accords commerciaux. Iran. La frontière entre l'Iran et la Turquie avait été fixée en 1639. Depuis, l'Iran a gardé cette même frontière, mais la Turquie a perdu des territoires qui ont été donnés à l'Irak. Les deux pays ont donc été les deux seuls pays du Moyen-Orient, et leurs frontières séparaient le monde arabe du monde arien, même s'il y avait des Kurdes du côté turc et des Arabes du côté iranien. Aujourd'hui, on compte des communautés turques en Iran. C'est ce qu'on appelle l'Azerbaïdjan iranien. D'ailleurs, il y a plus d'Azéris en Iran qu'en République d'Azerbaïdjan. La Turquie, tout comme la République d'Azerbaïdjan, est un soutien de ces communautés. Deux provinces d'Iran portent le nom d'Azerbaïdjan. A l'inverse, il existe des ethnies iraniennes vivant en Turquie, ce sont les Kurdes. Il y a aussi des Kurdes en Iran et ils sont considérés comme une minorité là aussi, la principale ethnie en Iran étant les Perses. Le Kurdistan étant le territoire théorique où vivent les Kurdes, une grande partie de ce Kurdistan se situe en Turquie, et la Turquie ne reconnaît nullement ce territoire. Et une lutte armée s'est développée dans le pays. Pour l'Iran, il est en revanche inutile d'aider les Kurdes de Turquie à s'émanciper puisqu'ils ne voudraient pas que les Kurdes d'Iran fassent la même chose. L'Iran et la Turquie ont tout de même développé ensemble l'organisation de coopération économique avec le Pakistan et dont le but est de développer les échanges entre les pays turcs, comme le Kazakhstan, et les pays iraniens, comme l'Afghanistan. Bon voilà, j'arrête pour le Moyen-Orient. Allons voir le dernier pays intéressant pour les relations bilatérales. Chine. On conclut cette vidéo avec la Chine. La Chine n'est pas un pays turc, mais on y trouve beaucoup de Turcs. Ce sont les Ouïghours, et ils sont 10 millions environ. Dans le Xinjiang, qu'on pourrait aussi appeler le Turkestan oriental, on compte la moitié de la population qui est turque. L'autre moitié sont des Han, ou des Chinois ethniques, et ils ont été emmenés par le gouvernement chinois pour siniser la région, c'est-à-dire la rendre chinoise. La Chine a du mal à gérer le conflit turc à l'intérieur de ses frontières, et la Turquie se porte comme une protectrice des minorités turques dans le pays. Ce qui a créé plusieurs tensions entre les deux États, la Chine suspectant la Turquie de soutenir l'islamisme en Chine. La Turquie a vivement critiqué le comportement du gouvernement chinois vis-à-vis des Turcs, et ce plusieurs fois depuis les années 2010. En 2014, un attentat perpétré par des indépendantistes ouïghours avait fait une trentaine de morts dans le sud de la Chine. Là encore, ça n'avait pas aidé à une entente entre les deux pays. Conclusion. La vidéo est un peu longue, je conclus ainsi avec le fait que la Turquie est centrée sur plusieurs mondes. Le monde turc où elle est la chef de file, le monde musulman où elle veut retrouver son passé ottoman, quand les ottomans étaient les califes, et enfin le monde occidental et plus particulièrement ouest européen ou états-unien avec sa volonté d'être considéré comme un pays occidental et d'intégrer l'Union européenne. En même temps, la Turquie, bien que membre de l'OTAN, dispose d'une politique militaire relativement indépendante dans le cadre des conflits au Moyen-Orient. Pour ce qui est des problèmes intérieurs qui peuvent titiller la Turquie, il y a la reconnaissance du génocide arménien et l'aide aux autonomistes kurdes. En tout cas, Erdogan décide encore plus multiplier les expériences diplomatiques de la Turquie et faire de ce pays un véritable carrefour du monde. Surtout qu'en 2023, cela fera un siècle que la Turquie est devenue une république.